Récapitulons, si tu veux bien. Les elfes ont fabriqué une arme pour te mettre hors circuit. Tu as perdu ta petite espionne. Et ma patience, comment dire? Ma patience a des limites, c'est clair? Pourquoi je n'obtiens jamais de résultats avec toi, Rixel? Peut-être que je m'y prends mal. Peut-être que je devrais me montrer plus encourageant, te donner des raisons de remplir ta mission. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait peut-être une bonne... Tu as intérêt à me ramener ma licorne ailée. Sinon, je te prendrai tout ce que tu possèdes. Et tu ne rejoindras jamais le cercle ténébreux des elfes noirs. Il t'a flanqué une sacrée frousse. Oublie un peu ce grincheux. C'est nous qui devons changer de tactique. Ah, il nous faut un nouveau plan de génie pour mettre la main sur une licorne aînée. Une nouvelle invention, ou alors une sorte d'arme invincible. Dans ce cas, allons rendre visite à Polythéus. Avec lui, on paye toujours le prix fort, mais on peut lui faire confiance pour dénicher quelque chose d'utile. C'est entendu. Je vais chercher de quoi piquer son intérêt. Salut Mia, Mom m'a chargée de surveiller les licornes. Oui, je sais. C'est génial, tu ne trouves pas? Pour moi, c'est un vrai défi d'être constamment vigilante et il fait frisquet la nuit. Mais ça me fait tellement plaisir. Je crois que je n'ai jamais été si heureuse. En tout cas, je ne t'ai jamais vue de si bonne humeur. Je te l'avais dit. Il m'a fallu du temps pour m'habituer, mais maintenant, je me sens vraiment chez moi ici. Et ta vraie maison alors? Je sais que tu as oublié certaines choses. Je me souviens de tout. J'ai enfin retrouvé la mémoire. Je viens d'une île, un empire situé à des kilomètres au sud de Centopia. Ce n'est pas un endroit pour moi et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Que fais-tu? Tu montes la garde avec moi? Pour tout te dire, je suis venue te donner ceci. Oh, waouh! Je n'en reviens pas! Une bague de l'amitié, rien qu'à moi! Mo et Yuko et moi, on trouve qu'il est grand temps que tu sois membre de l'équipe. Oh, elle est magnifique! Oh. Merci, Mia! Youpi! Yuko et Mo avaient raison. Je me suis trompée sur son compte. Regarde comme elle est jolie. Aouh! Oh! Regarde où tu marches, espèce de crétin de cheval. Violetta, c'est toi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Alors c'est bien ça. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'aurais dû m'en douter. Depuis tout ce temps. Mia, je ne vois pas de quoi tu parles.